Alors que la crise du coronavirus menace l'économie européenne, les ministres des Finances des pays membres ne parviennent pas à s'entendre. Réunis en visioconférence mardi, ils devaient s'accorder sur de nouvelles mesures coordonnées de soutien à l'économie. Mais ils ont finalement décidé de laisser la décision aux dirigeants des 27 États membres. Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, a toutefois indiqué qu'il existait un large soutien parmi les ministres pour mettre le fonds de sauvetage de la zone euro à disposition des États membres. Ce mécanisme européen de stabilité fournirait, selon lui, une ligne de défense supplémentaire pour l'euro et servirait d'assurance pour nous protéger contre la crise en cours. L'Italie, la France et l'Espagne espéraient une réponse massive de la part de leurs partenaires, Madrid appelant même à un plan Marshall pour l'économie. Une solution rejetée par les pays du nord de l'Europe, qui estiment que leurs partenaires du Sud sont trop laxistes en termes de discipline financière. Il appartiendra désormais aux dirigeants de l'UE de sortir de l'impasse lors d'un sommet cette semaine.